Et salut tout le monde, bienvenue sur KO Gaming, c'est KO, on est ensemble pour l'épisode numéro 3 sur Super Mario Galaxy et je suis avec Yuma. Salut Yuma. Salut KO et salut tout le monde. Et nous avions donné à bouffer un luma. Et ça nous a donné accès à cette petite galaxie là, donc on va y aller maintenant, on l'a débloqué la dernière fois. Et je veux ma part du gâteau. À nous les bons gâteaux. Bon alors, je ne sais pas pourquoi... Je te le laisse avec plaisir. Oui, voilà. C'est exactement ce que j'allais dire, je ne sais pas pourquoi tu me le laisses comme ça, mais... Toi qui d'habitude est très friande de bouffe... Friande. Voilà. Voilà pourquoi je ne veux pas. Bah, je comprends pas, mais ça fait le tour, ça. Ah non, ça fait pas le tour. Bon. Bah, je pensais qu'on pouvait faire comme dans... On était sur une galaxie, là. Ah oui. Tu peux pas faire comme dans l'observatoire. Je déteste cette musique. En plein dedans. Et encore, ça, c'est pas le début. Voilà. Et en plein dans le trou du gruyère. Oh, c'est ton premier panier, KO. Tu peux être fier de toi. Pour ceux qui ne comprennent pas, je suis excessivement nul en basket. Mais alors, vraiment très très nul. Et donc du coup, ben, on rigole souvent de ça. Un peu trop même. Oh, le pauvre. Oh, si vous voulez être jeune, mettez-le dans les commentaires. Pauvre KO. Hop là. Bien joué. Je ne peux pas faire un pas de plus. Courage, le trésor est à notre portée. Ouais, c'est moi qui vais le chercher. Hop. Punaise, ça va plus vite. Voilà. J'ai regagné la vie que j'ai perdue. C'était risqué, mais j'y suis arrivé. Y a pas de checkpoint ici ? C'est-à-dire que si tu crèves, tu recommences au début ? Je crois. Super. Oh là là ! La super étoile est étroitement surveillée ! J'adore le chocolat à la barre ! Je suis d'accord. Et ben voilà ! Je suis mort une, deux fois. Enfin bon, la première, hein, c'est parce que... Ça va. C'est parce que je voulais visiter qu'il ne pouvait pas. Bravo. Oh. Et ben c'était un très bon gâteau. Oh, du coup ça me donne faim. Toujours faim. Non, jusqu'ici ça allait, mais alors là, on parlait de gâteau là. T'as toujours faim? Non. C'est pas croyable. Bien, nous devions aller à la salle de bain. Les salles de bain de bain. Alors, c'est par ici. Hop. Tu vas aller à la salle de bain, monte là-dedans. Oh, c'est génial de prendre des douches ici. Hop. On s'éclate montagne russe à chaque fois. Il n'y a pas une petite fille derrière? Non. On va essayer. Harmonie. Où tu es? C'est ce gros pauvre. Zouilla. Alors... On a le cube ou la nouvelle galaxie. Bon, on va faire celle-là, on va refaire un niveau traditionnel. Poussière d'étoiles. Poussière d'étoiles. Ça fait musique
qu'il y a les années 80. Ah ouais, ouais. Poussière d'étoile, tu m'as tellement manqué. Sortir des étoiles. Ah oui, c'est bon. Poussière d'étoile, tu es vraiment très grave. Parce que tu es une poussière. Y a pas de balai dans l'espace. Heureusement, sinon on prendrait des millénaires tout nettoyer. Où est mon doigt? J'adore cette musique. C'est une de mes préférées du jeu. Alors. Il y en a plein. Voilà. Mon doigt. Ok. J'imagine. Heureusement qu'il n'y a pas de contre-la-montre dans ce truc-là. Pas. T'es trop mignon. Mais, il y en a un. Hein. De quoi, c'est vrai? Dans un niveau comme ça, oui. Ah ouais. Tellement. Ah ouais. Tellement traumatisé par Crayon Écoute. Tout maintenant, je vois des contre-la-montre partout. Ah mais t'inquiète pas, il y en a un. Hop, excusez-moi. Ça a fait quoi? Ah oui. Bien, la fusée. On va faire ce tour. Je voulais prendre une douche et je suis sur une fusée, c'est n'importe quoi. Ok, c'est des planètes aimantées en fait. C'est ça. Ça fait vraiment. Ça fait même spectre. Je suis un fantôme. Mon doigt. Si tu restes trop longtemps, tu peux t'en aller de ce machin. Oui. Bravo la technologie. Oh, attention. Oh là là, oh là là. C'était pas mal, les gars. Bah, j'y suis quand même arrivé. Là. Ouh, il y en a des trucs à casser. J'ai perdu. C'est ce qu'il a dit. Hop là. Le pauvre, quelle sortie. Je suis les boum. C'était un Goomba préhistorique. Ah, oh, voilà le capitaine. Voilà. Tadam! Mario! Voilà la brigato de la rescousse! Nous avons découvert un raccourci de la super étoile! Utilise l'anneau étoile qui se trouve là-haut! Mais qu'est-ce qu'il me fait? D'accord. Bizarre, hein? Alors, oh là 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 là. Ah, ça me rappelle quelque chose. C'est le chemin de Dieu. Ico est avec nous. Okay.
Et là, on va tout droit cette fois-ci. Oh, tu sens la déduction de ton attaque. Ouais, t'as vu, tout droit, t'as le droit. Daisy. Oh là là. Oh la vache, c'était pas loin là. Qu'est-ce qu'on peut... Oh putain. Là. Faut prendre toutes les étoiles comme ça en fait. Il y en a combien? Voilà. Est-ce qu'on peut les faire dans un ordre différent? Oui. Ouais. Ah, il faut retourner en arrière. Génial. C'était la surprise. Les... C'est la guerre des cubes. Les cubes. C'était facile. Et tu sais quoi? C'est à ton tour de passer à la trappe. Ah, mais je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que moi qui souffrirait. La chose que j'espère, c'est que c'est pas la course avec le roi bouffe. Ah, mais moi, j'en sais rien. On peut pas dire que je suis doté de mauvaises intentions, puisque je ne sais pas ce qu'il y a. Nouveau. Alors, on va se garder. Hop. Oui. Alors. Poussière de toi. Là, je vais voir ce qu'il y a là. Ah, tu sais plus? Oh là là. De la boule. Oh, non, mais pourquoi? Tu es un peu dans le même style que le gâteau? L'arrêt. Oh ben, arrête, Gérard, mais c'est toi qui l'as réussi. Oui. La charge de la flotte Kamek. Ah, nous allons revoir le vilain Kamek. Oui. Qui nous a expulsés. Ah oui. Un petit boss. Ah, déjà, mais carrément. Ceux qui viendraient plus tard. Yes. Bah, et Captain, Captain Todd. Mais on va pas lui parler à chaque fois. Je suis trahi. Je suis seule parce que personne ne l'aime. Bon, on était pas encore sur la Wii U là. Personne ne le détestait encore. Moi j'ai jamais aimé Todd. J'ai toujours trouvé insupportable mais si. Le pauvre champion. Et tu n'oublies pas de ramasser les fragments, toi, là. Ah si, j'étais en train de regarder. Non mais le mec, tranquille. Comment ça se passe? Il était complètement à l'ouest. Bah oui, bah c'est vrai. Je peux pas prendre des pièces. Ouais, tu vois, je vais t'aider. Oh bah oui. Saute puis tourne. T'es pas loin, hein. Et les Todd libérés. Et je vois Kamek. Les drains. Ah
côté on a plein de fragments, l'autre on a une pièce. Là. Ce n'est pas plus le vrai. Le vrai Kamek. Ah ouais, une grosse étoile quand même pour un petit coffre. Elle était bien coincée. Il a tiré le trou pour la faire rentrer. Voilà. C'est cool, ça. Un méchant copain. Là, je peux pas arrêter les boules de feu. Et bim! Oh mais non, ça disparaît plus ces conneries là. En fait, ils ont juste changé la couleur, mais pour dire quoi. Ouais, je pensais que c'était les mêmes. Bah, je pensais que ça avait gardé les mêmes intuitions que dans Mario Kart. Est-ce qu'on aurait une carapace bleue plutôt? Ouais, si on veut du coup là, alors. Bah, oui, bah, oh, mais c'est bon. La détonation était assez forte. Oh, oh c'est joli. On n'a pas un de l'autre côté. Je crois qu'il y a un truc au sommet, j'ai vu tout à l'heure. On va voir comment monter. Peut-être avant de descendre. C'est le champ, bébé, pi! Nyon. Moi qui me disais que j'allais pas le faire. Ça aurait été bête! Plutôt, oui, très ballot. C'est parti. Pour le vrai Kamek. Oui, le chiant. Et c'est maquillé pour l'occasion. Très joli. Ah oui, mais ça, on va y garder. Ah, je ne peux pas arrêter ce tir. Je vais devoir se débrouiller toute seule. Et moi, je me charge des petites bouboules qui sortent. Cool. C'est génial, hein? Je peux l'arrêter, la carapace. Oula, il va s'énerver. Et il est énorme. Oh putain, ça fait plus tous les côtés. Non, viens ici. Oh, j'ai que ça à faire. Ah. Oui, il se téléporte en fait. En plein dedans du premier coup, boum. Et alors, qui c'est le patron là? Et c'est qui le lion maintenant? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Mais dis ça là. De quoi? La hélice? Non, le truc jaune et appuie sur B. Juste pour la pièce? Oui, juste pour la pièce. D'accord. Ça me rend heureuse. Oh, mais je vois ça, oui. Voilà. Et voilà un petit boss. Un petit boss de moins. Petit bébé chien. Mia.
Oui, parce que vous ne voyez pas, hein, mais bébé chien s'est dit que c'était le moment idéal pour venir sur les genoux. Hein. 12 record. Pièces et... C'est pas beau ça. Franchement, les deux étaient quand même largement supérieurs. Ouais, je suis un peu déçue. Wow. Il semble que les comètes farceuses, ce fléau de l'espace, aient fait leur apparition dans les parages. Les comètes farceuses changent radicalement les galaxies. Si quelque chose t'échappe à propos des comètes farceuses, va demander à Luc Luma Comète là-bas. J'ai cru que c'était Lucas Comète aussi. Oui, le doigt. Oui, nous avons perdu le doigt. Alors, du coup, encore un là. Lui, il t'explique juste où il y a des niveaux cachés? Non, il nous explique juste et lui, il faut le donner des fragments pour qu'il enlève les comètes. C'est ça le coup. Du coup, tu le nourris pas? Non, pourtant, il n'y a pas beaucoup de comètes. Ah, tu ne retournes pas dans la salle de bain, toi. Je suis un fifou. Tout est noir. Nous sommes dans les ténèbres. On se voit qu'il y a une ligne qui se... Je sais pas. Tu resteras dans le noir, à tout jamais. Ah! Mais ça faisait longtemps! Oui, tout à fait! Tu as le droit d'être dans la salle de bain. En plus, j'aime pas le football. Ah, mais la caméra ne passe pas. Je pensais que c'était Manuel, je me rappelle. Manuel! Manuel? Bling, 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 bling! Alors, où en étions-nous? Poussière d'étoiles. Oh, tu veux pas faire le défi de la boule? Tu veux que je fasse le défi de la boule? Non, tu fais ce que tu veux, Kao. Même je suis là. Déverrouillé. La forteresse rocheuse. Allez. Ah bon? Pas trop ton kiff. Non, c'est pas mon préféré celle-là. Pourquoi? L'étrange voyage de la boule étoilée. Bon, alors qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est dur. On va jouer au mini-golf. Oui, c'est ça, on va jouer au mini-golf. Chaque fois qu'il y a du troll, il y a cette musique. Oh, si tu veux monter sur la boule étoilée, écoute bien ce que panneau d'affichage a à te dire. Bien, tout d'abord, saute sur la boule. Okay. Bon, tu es en position, alors tiens verticalement. Ok. Voilà, c'est la position de base. Depuis cette position de base, incline dans la direction de ton choix pour faire rouler la boule. Ok. Ensuite, saute en appuyant sur A, écrabouille ceux qui sont sur ton chemin. Enfin, la pratique vaut mieux qu'un long discours. Allez, essaie d'aller jusqu'au bout. Ok, on essaie de régler la sensibilité de... d'avancer. Bon, bah vas-y, allez. C'est la nuit. T'as les saltos. On peut rouler sur les Goombas. Ouais, par contre, ça fait des mauvais bruits alors que la pas. Je trouve que ça fait plus faire des pieds que chose, mais pas ça. Ouais, mais la vie, il y a des choses à avoir là. Oui.
l'instant. Ok, c'est bon. Ouf. Bon, cela dit, je suis pas serein pour autant. Hein. J'aime bien la musique qui augmente d'intensité quand je vais vite. Je vais vite. Je vais vite. Oh merde! Ah, dommage, parce que franchement, t'avais bien géré, hein! J'aurais pas fait mieux, hein! Oui, mais je recommence au début! Oui! Oh. Non, mais franchement, tu gères super bien, hein! Je me suis fait avoir au dernier virage! Et du coup, il y aura de nouveau la vie ou pas? Cette roulade de ouf. C'est quoi? Quelle puissance qu'il y a. Ah, merci. Ouais, je suis quand même pas serein. Hein. Oui, je suis pas en train de faire de promo, donc... Oh bah, heureusement. Donc, je sais plus que ça tient. Ok, là on est bon. Hop, 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 pas trop vite. Alors attention, nous revoilà ici. Le virage là. Voilà. Le dôme là, bien piégeux. Hop là. C'est tout? Oh bah nickel. Bon franchement t'as super bien géré. Hein. Bravo. Ouais, je suis déçu de pas l'avoir fait du premier coup. Ah oh, mais franchement, bien joué. Très bien joué. Et en plus je me la pète en montant sur le petit drapeau. Là. Et hop là, c'est reparti. Oh. Alors là mon chapeau, il y a un. Je vais taper la course. Ah, il y a une course. Il me semble que c'est là. Alors, hein, on est bien d'accord que c'est le roi Bou, pas le roi Bouffe. Hein? Non, parce qu'on te connaît, hein. Oh, quand même. Oh non, il y a une comète. On n'est pas obligé de les faire, les comètes, hein. On va les payer, hein. Eh bien, on va aller enlever la comète. On peut enlever des comètes? Ouais. Pourquoi faire? Parce que là, la comète, ça vient tout changer de niveau. Ouais. Genre par exemple, tu vois, imagine le niveau de la boule, si t'avais eu une comète du temps, t'aurais eu un chrono dessus. D'accord, ok. Et tu peux les enlever. Tu peux demander à peut-être qu'ils te l'enlèvent si t'as de la chance. C'est la Terre, on s'en fout. Tralala, tralala, les comètes farceuses, j'en fais mon laveur. Alors, qu'a fait-on aujourd'hui? Déplace-les. Tralala, tralala, quelqu'un veut-il que les comètes farceuses s'en aillent? Pour un fragment d'étoile, tralala, tralala, bon, ça va. Est parti. On a 1190. Oui, on va s'en sortir, hein. J'ai bien mangé. Enfin, tu peux pas les déplacer indéfiniment. Non, mais tu vois là, il y en a une dans la salle de bain, il y en a une dans la terrasse. Donc, du coup, dans la salle de bain, on est tranquille. Ouais. Donc, c'est bon. Oui, ça a marché, merci. D'accord, mais je comprends mieux son utilité à celui-là. Et je me rappelais même pas que ça faisait ça. Je suis dans le flou total. Là, du coup, ça a même été remplacé par une comète bleue. Ouais.
Mais du coup, elle est pas chez nous. On peut faire une niveau tranquille sur tout ça. Oui, moi je pensais que tu pouvais quand même faire le niveau avec la comète, que t'étais pas obligé de la faire. Ah oui, mais si. Tu pouvais quand même faire l'étoile sans la comète. Ah oui, non, une fois qu'elle est là. D'accord, ok, je comprends mieux. Les cocons élastiques et arachnobos. Yeah! Allez, petit boss. Mais c'est pas la course de nous. Non. Ce sont les arachnides. Je l'aime pas du tout, ce boss. Pourquoi? Déjà, c'est une araignée. Oh, c'est mignon. Non, c'est dégueulasse. Pense à Lucas. Lucas, c'est la seule qui est mignonne. Il l'ai tué quand même. Captain! Captain! Quoi? Il y avait le Captain Todd. Là. Et je vais mettre une photo de Captain America en disant quoi, on s'en fout. Mais non, mais pas lui. Mais pas lui. Si tu me mets torse nu, je vais pas m'en foutre. Bien sûr. Tout est même. J'ai fait trop tôt. Ah, oh, ça t'es même pas mort. Non. Incroyable! T'as fait trop tôt ou peut-être trop vite aussi? Moi j'allais plus lent que moi. Oui, bah quand tu auras la course, tu vas voir si tu peux pas aller vite. Ah bah oui, ok. Faut s'entraîner, hein! Hey. Qu'est-ce qu'il fout là? Dilling dilling! C'est l'heure de la bouffe! Tu en veux combien? Qu'est-ce que. Pourquoi il en veut? Non, il les a pas. Ah bah ça doit être pour continuer le niveau tout simplement. Non, non, pas forcément, c'est un bonus. Ah ouais? Mais on n'en a pas, donc on va continuer, hein, tant pis, on va le chercher. Ah là! Mais il n'a pas 50. Alors, elle était où l'entrée? Elle était à côté. L'entrée! Ah! Non, c'est pas ça. C'est quoi ce bloc? C'est pas l'entrée justement? Non, en le cassant? Non, ah, elle a été à côté du lima! Là! Un gros trou comme ça, franchement. Alors, où est-ce qu'on va? Ouais, je vais les avoir, tes 50 de power. Bien Goomba. T'as des 50. Tu veux jouer comment, je suppose? Non mais tu fais comme tu veux. C'est ton niveau. Le goût du mafru. Il est gauche. Je ne pense qu'à bouffer dans la vie. Alors. Salut, salut, je suis Hoppy. Transformation. Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, une tête de Yoshi. Donc ça c'est optionnel. Quelque chose! Je suis là, je suis là. Faut que tu les butes tous ou quoi? Ok. Les mecs sont vénères, hein. Ok. Il faut éradiquer les Goombas. C'est infesté sur le pif de Yoshi aussi. Hein. Ah! Là.
rester un homme. Il reste encore plusieurs. Voilà, un petit coup de pied et le dernier ici. Alors, oh, carrément. Ah ouais. Et tu vas sortir du niveau ou tu peux continuer? Non, 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 c'est une époque, tout ça. Et voilà, c'était toi bonus. D'accord. Pourquoi pas? Bon, mais du coup, tu vas pas faire le boss. Bah attends, c'était pas un niveau que t'as fait là. C'était un mini niveau. Vas-y, ouais, c'est pas vrai. Trois... Ah, trois pièces, merde. T'as fait mieux que moi. Oh non, j'en ai une comète. Encore? Mais. Je pensais qu'elle revenait pas. Ok. Donc nous avons une nouvelle base ennemie. Très bien. Ah, c'est ici la. D'accord. Comme elle trouve en chemin. Alerte rouge, alerte rouge. Contre la montre, les roues. Mais c'est pas le truc d'arachnophobe, ça. Je comprends plus. Et du coup, on est obligé de faire la comète. Ah ouais. C'est très étrange. J'imaginais pas présenté comme ça, en fait. Allez, on fait les filles, on tente la comète. Sur l'île du coronavirus. Et ben, première comète de ce let's play. Et un contre la montre, ça va. Bah toi qui t'es entraîné tout à l'heure avec les aimants. Ouais. Voilà. Tu as voulu t'entraîner, bah tu l'as, ton épreuve. Je veux dire, ça sert un peu à rien là, l'épreuve, hein. Mais pourquoi tu bloques pas toi aussi là? Tu sers à rien là! Je savais pas qu'on pouvait bloquer! Qu'est-ce qu'il fait? Mais tu crois vraiment que c'est le moment là? Exactement le niveau que j'ai fait. Ouais. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Hop, on est bien. On a encore un bleu là. On s'en fout, non? Ah, je sais pas. Il n'y a pas quelque chose qui venait quand tu l'as délivré tout. Le bleu, là, c'est le. Voilà, tu vois. Là, t'as le Captain Toad. Oh,
Hey, oh, c'est casse-pied. Et là, c'est là où il y a les plateformes qui apparaissent. Faudrait le faire. Ah, t'as eu un beau réflexe, hein. Ok. On reste 3. Ah, c'est le dernier que j'ai pris moi. Oh non, il a pas sauté. Et donc là, du coup, tu dois tout recommencer ? Non, là, c'est perdu. Bon, tant pis. Oh ! Je suis trop nul, c'était mort. Mais si, c'était bon. Il te restait 2 sauts et à retourner à l'endroit initial et c'était bon. Je n'aurais pas réussi. Je n'aurais point réussi. Tu veux faire le suivant ? Bah allez. Tu veux réessayer la comète ? Non, on la réessayera la prochaine fois. Bon, avec un peu de chance, ce sera parti. De quoi ? Ah, là, ça peut bouger comme ça ? Oui, ça se déplace. D'accord, je pensais que si tu payais pas l'autre, ça se déplaçait pas. Eh bien, nous allons partir à la forteresse. Hop. Il y a qu'un... Il y a des étoiles là-dessus. Oui, il y en a. Oui. Alors... Oui. En plus, on a ça depuis le début, mais... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te gêne ? Je déteste ce niveau, tout simplement. Il n'y a pas de raison particulière. Non, non, tous ceux qui sont sur cette planète-là, je ne les aime pas. Dégage. Ok, je vais faire la probate. Pas le temps de les écouter ça. Là-bas. Mon doigt, où est mon doigt? Il est là. Oui, comme une disque. Qu'est-ce que c'est que ce gros bordel? Voilà, je ne les aime pas. En gros, il faut éviter les pièges pendant que ça bouge. Okay. Oh, je peux les bloquer. Facile alors. Ça, c'est trop bien. Ok. Ouais, il reste trop éloigné du côté quand même. Voilà. Là c'est pile au milieu. Zef. Allez, on descend. Voilà. Bouboule. Il va y avoir du bilbal ici ou quoi? Mmh.
coup. Allez, encore. Ouya. Hello, je suis ici. Complet. Oh, le manque de respect de ce truc là, c'est incroyable. Je voulais leur apprendre le respect. Pourquoi les trucs simples, j'y arrive pas? Je sais pas. Ah. Wouh! Quand même. Allez, Bilbal. Coucou. On est là. On est là. Viens là. Voilà. C'est un bon Bilbal, ça. Dépêche-toi, hein. Voilà. Boum. Yeah, no ouais. Stress. Cool, la vie. Parce que moi, tu crois que c'est cool? Enfin, il faut. Faudrait. Bon bah ça va, je m'attendais à pire que ça. Oui, moi je les aime pas. Des idées. Eh bien on a le temps pour en faire une petite dernière. Allez. Tu l'as fait ou pas? Oui, oui. Ah. Non, je pensais qu'il t'avait tellement traumatisé que je ne voulais vraiment pas le faire. Non, je suis pas à ce point. Et je te l'ai même sauvegardé la partie. Hein. Oh, attention mon... Attention. Vous avez vu toutes ces attentions là? Mais qu'est-ce qu'il est mignon ce petit chaos. Il y a la comète qui est partie. Ah bah oui, voilà, comme tu veux du coup. Ah ouais, c'est marrant ça. Du coup ça fait un peu challenge... Ouais mais pas trop. C'est ça. Et si c'est un vrai les essais, il faut payer une étoile en plus. Ah ouais, d'accord. L'infiltration de la forteresse. Qui s'appelle comme ça, ça fait. Le début, en tout cas, c'est pareil. Ah, c'est plus en bas. Yes. Hop, là, tout ça, c'est bon. Ah, il y a quelques petits trucs là en dessous. Ah, une beau bombe. La détonation ça va suffire. Ah oui, c'est bien. Est-ce qu'elle va exploser un jour? On peut une pomme d'arbre. C'est marrant, on dirait que les bobombes sont sans vie. Oh non. Mais c'est très rigolo! Je rappelle que dans le 64, les bombes, elles étaient quand même en train de marcher et vivantes. Là, on dirait qu'elles sont sans vie apparente. Bon, aide-moi. Ah.
directement dans les deux extrémités. Bon. C'est tellement. Il n'y a rien par ici, c'est un cul-de-sac, ce n'est qu'une décharge. Mais qui a fait ça? Qui a jeté des déchets recyclables ici? Dis, si je te prie plus nécessaire, tu veux bien mettre un peu d'ordre dans le coin? Oui. Alors, je compte sur toi. J'imagine qu'avec les mots, tu dois péter tous les bruits. Tes bombes, elles mettent vraiment 3 bombes à exploser. Hein. Oh, je faisais une astuce efficace. Je peux en mettre une au fond, à gauche. C'est... Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Oh, mais les détonations sont tellement longues. Attends, t'aimes pas du tout le second essai, hein? Oh non, c'est une idée. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? T'étais à une détonation près. Même pas. Presque prête. Tiens-le, tiens-le, c'est tout seul. Mais il n'y en a plus. Ah oui, c'est une étoile, carrément. Ah, et là en haut, ah, sur le verre là. Voilà. Tiens, on est tourné autour tout ce temps. Ah, t'aimes bien les bombes. Ah, mais quand je dis que je déteste ce niveau, c'est pas pour rien, c'est vraiment. Ça va? Merci beaucoup, le raccourci est par ici. Transformation. D'accord, et toi tu l'accompagnes du coup. On va voir une étoile. Quelle étoile? Il n'y avait pas une deuxième? Deux trucs à péter? Oui, mais c'est une étoile invincible, comme t'as pété. Ah, ok. Allez. Attention. Délicatesse. Doucement. Oui. Hop! Tout doux. Ah, il faut du doigté, hein. On aurait dit mini-golf, c'est oh, quand ça tu... va! Je vais essayer de monter, baisse-toi et saute peut-être. Bon. Ah, oh, bah bravo. Oh, il y a des caisses. Qu'est-ce que c'est que ce dôme? Tu peux pas les essayer de les maintenir là au lieu de me regarder galérer là? C'est vrai que j'y pense pas à les maintenir. Oh, ah oui, mais d'accord, les deux. Non mais. Tiens! Sérieusement là?
Bon, c'est quoi, ça me saoule là, on va prendre le tuyau comme tout le monde. Mais c'est pas possible. On va pas se faire emmerder, non? Voilà, je vais faire tout soi-même là. Ah, elles sont vivantes au moins celles-là. J'ai peur, quand même. Arrête de partir. Tu me rends dingue. Allez, je vous fais. Ah. Voilà. Ah. C'était ça. Boum. Bon, faut croire que les bonbons, c'est pas ton truc, hein. J'ai pillé de ma glace. Encore? Oh, t'es en train de détonation. Non, c'est trop. Parce que t'as fait perdre tout à l'heure le mini-jeu. Là, on s'en va. Une étoile. Oui. La fameuse. Je vois des bombes. C'est là. Je vais tout traverser. Oh joli. Oh joli. Midi. Oh, ça l'a pas détonné non plus. Dommage. Oh. Ah si. Bien ouais. Oh. Oh non mais là c'est des gros coups de bol. Ah oui. Oh là là. Oh là là. Pas maintenant. Ah bon. J'ai cru que t'allais passer à droite. Non. L'échec total. Mamma mia. Oh ouais là. Parce que là c'est direct dans le trou noir là. Ah bah oui. Et pas de retour au prochain épisode. Bon. Et ben on aura quand même pas mal avancé mine de rien. Hein, on a quand même fait de bonnes choses, je trouve. Bon, et ben écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne. Et puis bah nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de Mario dans Super Mario Galaxy. Allez, salut à tous. Salut tout le monde.